Coucou, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du week-end. Alors, cette voyance qui est sur un aspect général ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, tout simplement. Mettez le reste de côté. Allez, j'espère que vous avez passé toutes et tous une très belle semaine. Nous voilà en week-end, c'est plutôt sympa. Allez. Quel est le message pour les énergies du week-end que je dois faire passer, s'il vous plaît? Merci, hein. Je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos messages de bienveillance et pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. Pour les personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, tout simplement. Allez, quel est le message, les énergies du week-end que je dois faire passer? Quelles sont les énergies du week-end? Allez, on va regarder un petit peu cette température, un petit peu à la coupe. Ici, on retrouve un homme. On retrouve des papiers, on nous parle de papiers, tout ce qui est lié à l'administration, papiers, des papiers importants. Allez. Allez, quelles sont les énergies du week-end? Je vais faire un petit tour, je vais analyser ce jeu de couverture et puis je vous donne les premiers éléments dans quelques secondes. Allez. Alors, ici, on me parle d'une surprise, quelque chose d'inattendu. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit, quelque chose d'inattendu. On nous parle d'un changement. Allez, mais encore. On retrouve la dépendance. Donc, on retrouve un changement, peut-être pour retrouver son indépendance, que ce soit professionnelle ou peut-être au niveau sentimental. On verra un petit peu ce qu'on nous dit. En tous les cas, on nous parle d'un changement, on nous parle d'indépendance à travers ces énergies du week-end. Et on nous dit le choix. Donc voilà, certainement un choix qui arrive à vous. Vous êtes déjà certainement dans ce choix, on nous parle d'un changement peut-être pour devenir indépendant. Encore une fois, ça peut être professionnel ou ça peut être côté cœur. On verra un petit peu ce qu'on retrouve. En tous les cas, on nous dit, hein, c'est quelque chose d'inattendu, un petit peu comme une surprise peut-être qui vient à vous, hein, ce changement. En tous les cas, on voit que c'est conflictuel. On retrouve ici un homme qui est représenté sur cette carte. Hein. Vous voyez, hein, c'est pas un homme qui est en prison, mais quelque chose qui avance plus, qui est figé. On nous parle d'un enfermement d'une situation. Alors, certainement, cette interrogation vers ce choix et ce changement dans quelques temps. Ici, on nous dit peut-être qu'il faut prendre du repos, du recul, tout simplement, pour faire ce choix et pour arriver sur ce changement. Ici, alors, celle-là, je l'ai pris, et ici. Donc, oui, on retrouve un petit événement. On peut nous parler de quelqu'un qui est jeune. Ça peut être un changement, un choix de la jeunesse. Quelqu'un qui est assez jeune, tout simplement. Ou d'un de vos enfants, si vous avez un enfant. Pour les personnes qui me regardent et qui ont un enfant ou des enfants. On peut nous parler de quelqu'un de la jeunesse. Alors, quelque chose d'inattendu. On va faire un deuxième tour de carte ici. On me parle, hein, la certitude, je retrouve encore la jeunesse, je retrouve un enfant et je retrouve un homme de cœur. Un homme de cœur, on peut nous parler, ben, effectivement, ce monsieur qui sort en jeune peut ressortir en homme de cœur ici. Et on peut nous parler d'un homme de cœur à côté de son papa, tout simplement, ici. Alors, on ira voir un peu ce qu'on me dit d'un homme un petit peu protecteur. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus, s'il vous plaît? On va prendre. Ici, donc on retrouve la famille. Vous voyez, pour moi, c'est bien un homme de famille, un homme de cœur. On nous parle d'un homme proche de la jeunesse. Ça peut être un homme aussi, ça peut être un homme de cœur, un homme qui est là aussi protecteur, proche de cette personne. Et on nous parle de la jeunesse ici. Alors, bah écoutez, on ne pouvait pas mieux faire. Regardez bien, on confirme. Un homme protecteur. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez bien la carte en dessous. C'est bien marqué protecteur. Allez, on continue ici.
la carte divinatoire, bah, moi, en train de vous faire cette divination aussi avec mes guides, les anges qui m'accompagnent, les personnes qui m'accompagnent de là-haut. On retrouve bien le destin, la destinée pour cette personne. Hop. Et on retrouve le choix, le doute, le point d'interrogation. Donc on retrouve quelqu'un soit ancré là maintenant, ces derniers temps, ben, quelqu'un qui est dans le doute à travers un changement. Peut-être que cette personne veut effectuer ce changement, mais du coup il doute et ce changement ne se fait pas. On nous dit qu'il faut du repos, du recul, de prendre le temps pour aller vers ce changement. En tous les cas, il y a un changement qui arrive à vous dans quelques temps. Et on retrouve l'invitation pour aller vers ce changement. Et on retrouve la découverte, ben, peut-être cette découverte inattendue autour de ce que je vous ai parlé, ou ben, la découverte vers ce changement tout simplement. Et on retrouve une colère intérieure. On voit hein, que ces personnes sont un petit peu en colère intérieure, ou ça peut être cet homme aussi autour d'un protecteur, parce que ça se passe pas bien, peut-être que ben, ce que je vous ai parlé, ben, avec ce choix, ce doute, ben, du coup il y a une colère intérieure, mais en tous les cas il y a une bonne chose qui arrive, on parle d'un changement. Il faut juste s'accorder du temps, de vivre le moment présent, de bien se poser, de bien s'ancrer, pour aller vers ce changement, et de choisir dans quelle direction vous voulez aller. Voilà mes belles âmes, voilà les énergies du week-end. Alors, merci à toutes et tous m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter moi un excellent week-end. Pour les personnes qui le souhaitent, qui veulent une consultation avec moi à titre privé, vous pouvez taper dans le... Alors, vous pouvez retrouver ben, tous les liens sur mes réseaux sociaux pour me joindre sur mes sites internet. Vous pouvez taper Will Voyance directement dans Google, vous aurez directement les références de mon entreprise, comment vous me joindre, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez m'appeler. Je propose plusieurs prestations, donc vous découvrirez ces prestations. Je consulte au cabinet au Champ Géraud, donc à côté de Dinan en Bretagne, mais également par téléphone et en visio sur WhatsApp dans toute la France, à l'étranger, dans les Dotum. Alors, pour les personnes aussi qui le souhaitent, je suis magnétiseur énergéticien, j'interviens au cabinet et également à distance sur photo. Vous trouverez beaucoup d'informations sur mon site internet sur les soins énergétiques, Will Magnétiseur dans Google. Vous tapez Will Magnétiseur, vous aurez tout. Ou alors vous tapez www.will-magnétiseur.fr et puis j'ai une boutique en ligne. Vous retrouvez ma boutique en ligne d'ailleurs en promotion jusqu'au 15 décembre. Inclus 25% sur l'ensemble des bijoux et des bracelets, des pierres comme je porte, 10% sur l'ensemble de la boutique. N'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, les premiers arrivés seront les premiers servis. Il n'y aura pas forcément certainement des ruptures de stock de certaines choses. Donc voilà, les premiers arrivés seront les premiers servis. N'hésitez pas à aller visiter la boutique Univers With Boutique, ma boutique en lithothérapie. Merci à toutes et tous, je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, on se retrouve dès lundi pour le message du jour. Un bon week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse toutes et tous, bye bye.